Oh, est-ce que tu veux que je les porte, Bingo? Non, c'est pas la peine. Je suis presque arrivée. Oups. C'est pas grave, je vais nettoyer. Non, moi je vais le faire. Très bien, voilà du papier absorbant. Et hop! Je vais commencer à faire l'omelette, chérie. Je vais d'abord casser les œufs. Est-ce que je peux t'aider à casser les œufs? Oui, bien sûr. Et si je nettoyais tout ça pendant que toi, tu t'occupes des œufs, d'accord? Va chercher le grand bol gris dans le placard. J'y vais! Ah! Est-ce que c'est celui-là? Oh mince! Je commence à avoir faim! Combien d'œufs dans une omelette? 3 ou 4. J'ai faim! Mets-en plutôt 4. 1, 2, 3. Dépêche-toi un peu, chérie. 4. Oh non! 1, 2, 3. Et où est le 4? Mon puzzle carte du monde. Voilà. Toutes les pièces bleues vont ici et les pièces rouges ici. Pose-le bien droit, bandit. Allez, bien droit. Cette partie va là, ce qui veut dire que ce machin peut faire ça. Fini! Attends, j'ai pas fini. Il me manque une pièce. Oh oui, il te manque la Nouvelle-Zélande. Oh non, encore? Pas de problème, je peux la retrouver. Où te caches-tu, Nouvelle-Zélande? Nouvelle-Zélande? Je sais quoi faire. Je vais dessiner des avis de recherche. Fini! Je vais t'apprendre des choses sur moi. Ou, en général, je dis céréal au lieu de dire sérieux. Oh, et je vais te montrer comment je danse. J'aime bien faire quelque chose comme ça. Et parfois, je fais ça. Oui, bravo, c'est ça. Ah, et il faut que tu saches que je parle tout le temps. C'est pas grave si ça n'a pas de sens. Faire du bruit, ça suffit. Bor, 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 bor. Et j'adore chanter. Je chante des trucs. Oh, je chante des trucs. Un peu plus fort. Oh, je chante des trucs. Oui, c'est génial. J'adore laisser traîner tous mes jouets partout sur le sol. Ça ne serait pas mieux de les ranger correctement? Non, franchement, ça ne change pas grand-chose. Oh, oh. Où est-ce qu'il est? Bord, bord, bord. J'adore aussi poser des tonnes de questions. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien ce que je fais, Bluey. Mais j'essaie... je n'écoute pas vraiment quand on me répond. Tu vois? Oh, et quand je vois une paire de fesses, je fais un petit boum bidi boum. Hé! Ah! Mais non! Bingo, ta mauvaise humeur est revenue! Oui! Mais j'avais réussi à t'en débarrasser. Pourquoi tu es allée la retrouver? Redonnez! Maman, j'ai débarrassé Bingo de sa mauvaise humeur. Bravo, ma chérie. Mais elle l'a retrouvée tout de suite. Quoi? Et elle m'a couru après avec ses crottes de nez. Oh, j'ai déjà vu ça quelque part. Je pense que ça lui plaît d'être de mauvaise humeur, en fin de compte. Je me demande pourquoi ça lui plairait d'être de mauvaise humeur. Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arranger ça? Ah, oh, c'est pas facile. Oh, ça y est, j'ai une idée. Écoute. Que j'ai jamais construite. Oh, je suis tellement contente de jouer avec. J'espère que je la garderai toute ma vie. Non, mauvaise humeur. Oh, je pense que je vais aller faire un tour dans le jardin. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, il faut qu'on y aille. J'ai pas encore trouvé les tablettes. Laisse tomber. Quoi? Pourquoi? Les nomades gris. En route. On y va, on y va. Cette fois, on a eu chaud. Papa, qu'est-ce que c'est les nomades gris? Ce sont des papis et des mamies dans d'énormes caravanes très lentes. Si on reste coincé derrière eux, on arrivera les derniers au camping et on sera obligé de s'installer à côté des toilettes. Oh, je les aime bien, les nomades gris. Leurs klaxons sont trop rigolos. Mais on fait quoi pour les tablettes alors? Désolée, maman a oublié de les emmener. Oh. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je connais plein de super jeux auxquels on pourrait jouer. J'espère que ça les occupera pendant 4 heures. Tu connais quoi comme jeu?
on peut jouer à mon petit œil. Oui, c'est moi qui commence. D'accord, mais s'il te plaît, choisis quelque chose de difficile, Bingo. C'est pas drôle quand c'est trop facile. D'accord. Alors, mon petit œil voit quelque chose qui est de couleur... bleu. Moi. Oui. Évidemment, j'ai choisi de t'emmener dans le restaurant le plus luxueux de la ville. Haricots en boîte. Oh, ça alors? Non, pas encore, chef Bingo. Ils se sont déjà fait un bisou d'amoureux? Non, pas encore. Je suis vraiment désolée. Elle est nouvelle. Tenez, voici les menus de notre restaurant. Les fourchettes et les cuillères sur la table sont pour vous. Je t'avais dit que ce restaurant était chic. Bien, qu'est-ce que vous voulez commander? Pourriez-vous me dire quelle est votre spécialité? Je ne suis pas sûre. Je vais voir avec le chef. Hé, chef! Quoi? C'est quoi ta spécialité? La quoi? La spécialité! La quoi? Y a pas de spécialité. Je vais prendre les haricots dans ce cas. Bien, c'est noté. Je reviens tout de suite. Amusez-vous bien avec vos couverts. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Dites les petits cuistots, vous n'avez pas autre chose que des haricots en boîte? C'est pas bien les haricots en boîte? C'est pas très romantique. Oh tiens, la voilà. Je n'ai plus qu'à la ramasser. Que m'arrive-t-il? Tant pis alors. Bon, je vais devoir écrire l'adresse sur ma main. Trop lourd. Maintenant, c'est le stylo qui est lourd. Chloé habite au numéro 26, route des Noisetiers. Qu'est-ce qui t'arrive, bandit? Avant, tu étais capable de soulever une petite cuillère. Qu'est-ce que tu fais? Rien de tout. Mange tes céréales sur le sol. Ok. C'est le meilleur petit déjeuner du monde. Il se passe quelque chose de bizarre aujourd'hui. Oui, j'ai remarqué moi aussi. Allô? C'est Bingo! Elle a trouvé une boule, une baguette! Attrapez-la! À l'aide! Elle essaye de nous empêcher d'aller à la fête de Chloé! Trop lourd! Attention! Je sens que ça va mal finir. Bon, alors, on dit que tu attends le bébé Bingo. Donc, tu dois faire semblant d'être enceinte. Très bien. Si on décide de faire ça, on le fait correctement. Comment faire semblant d'être enceinte? Bien, je me prépare à voir ça. Oh, mon dos! Oh, mes pattes! Masse-moi les pattes, Louis. Masse-moi les pattes. Bandit healer! J'ai une faim de loup. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Oh, où est ma crème à la vitamine E? Le tube contre les vergetures? Comment oses-tu? Tu n'as pas la moindre idée de ce que j'ai pu enlever. Comment oses-tu? Oui, j'attends un enfant. Oh, ralentis, Louis. C'est dur de courir. Elle nous suit toujours. Oh, mince. Oh, il faut ramasser ça. Oh, nom d'un petit bonhomme. Tu es lourd, Bingo. Louis, tu veux bien ramasser ça pour moi? D'accord. Je vais aller m'asseoir. Oh. Oups. Attention, gros bidon. Désolé. Ah. Oh. Oh, mince, j'ai très faim. Profitez de votre papa chauffeur. Je veux pas que ce soit papa qui nous emmène. Je veux que ce soit maman chauffeur. Oh, ne t'inquiète pas. Papa va rendre les choses super amusantes. Pas vrai, papa? Ouep, 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 ouep. Au revoir, maman. Hé, hey, mangez plus vite que ça. L'heure tourne. Oh, Bingo, tu as entendu quelque chose, toi? Non. Allez, on se dépêche un peu. Tu es sûre et certaine que tu n'as pas entendu un bruit? J'en suis sûre. Je pense que ça doit être le vent. C'est moi, votre père. Vous ne m'entendez pas? Oh, il fait beau ce matin. Tu trouves pas, toi? Tu as raison. Les filles! Si seulement papa était avec nous pour le voir. Je suis juste ici. En voiture, les filles. Allez vite. Allez, 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 allez. Oh, j'ai oublié les clés. Hé, hey, Bluey, j'ai trouvé une baguette. Oh, utilise-la sur papa. D'accord. On se dépêche, les filles. On doit... Bon, allez, ce mode ralenti nous a retardés, mais on est dans les temps. Attends, Bingo, tu n'as pas oublié ton pull? Je suis pas là, je suis à la maison. Je suis à des milliers de kilomètres de toi. Ah, d'accord. Bingo, non, chérie. Je crois quand même que je suis différente. Je suis la seule de tous mes amis à jamais aller voir de film au cinéma. Ça m'ennuie de pas être comme les autres. Écoute, ma puce, je parie qu'à la fin du film, tout le monde trouvera ça chouette que ce singe soit différent des autres. Ah! Bingo, fais bien attention à ne pas le renverser.
Mais moi, il est plus question que je sois différente des autres. Je suis prête à regarder des films comme n'importe qui d'autre. Le monde d'en bas est pas fait pour les singes. Nous, on est fait pour vivre dans le monde des arbres. Mais mon cœur appartient au monde d'en bas. Ça m'est égal. Est-ce que je peux m'asseoir plus loin devant? Non, ma puce, on reste assis là. Mais moi, c'est là que je veux aller. Non, tu dois rester ici avec moi. Mais j'ai envie d'explorer les alentours. Papa, t'as vu, j'arrive à regarder. Oh, tiens. Bravo, Bluey. Oh, bonjour, coucou. Tu vas bien? Hey. Quoi? Coucou. Bingo. Où est-elle passée? Ici. Tu peux réussir à trouver la pomme de pain magique si seule. Et pour cela, il te suffit de rester toi-même. De rester moi-même? Oui, sois toi-même. Attends, on va me montrer la tienne. Là, est-ce que c'est long pour toi? Oui. Long, alors tant mieux. Non, tu tires pas trop en langue. Arrête, t'es encore trop. Les filles, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Tu la tires trop? Non, rentre pas là, ne la sors pas trop. Non, rentre là. Pas trop quand même. Raison. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai l'impression que je m'améliore. Au revoir les border collies. Régalez-vous avec le curry. Au revoir. Bonne chance avec la pie. Tu sais, tous les bons héros apprennent quelque chose au cours de leur quête. Maman de Mackenzie, vous voulez bien me faire un autre maquillage? Tu es prête? Oui. De tout ce qu'il a appris en chemin, le héros doit relever le défi ultime. Fin de l'histoire. Tu es mon héroïne, Bingo.